Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter non pas une gueule de ressuscité, mais deux. Un couple, le roi Baudouin et la reine Fabiola de Belgique. Regardez comme ils sont beaux. Ces deux-là, lorsqu'ils se sont mariés le 15 décembre 1960, ont surpris toute la presse internationale, non seulement par la tendresse qu'ils avaient l'un pour l'autre, mais aussi par leur foi commune qu'ils n'ont pas craint de manifester lors de la célébration très protocolaire. Ce couple chrétien s'est rencontré à Lourdes et le roi Baudouin régulièrement rend grâce à Dieu pour cette épouse. Il dit au Seigneur, mais pourquoi Dieu as-tu bougé le ciel et la terre pour me donner cette perle précieuse qu'est ma Fabiola? Et il ne manque pas, jour après jour, depuis leur rencontre, de prier pour elle. Je vous livre ces mots pour que vous ayez déjà une idée du personnage. Seigneur, remplis Fabiola de ta sainteté, qu'elle vive de ta joie et de ta paix. Apprends-moi à l'aimer avec ta tendresse, qu'elle se sache aimée d'un amour de prédilection par toi. Merci de m'avoir donné ce trésor. Augmente en moi pour elle l'amour qui vient de toi. Ce couple heureux rencontrera aussi des difficultés à fonder une famille. Ils ne parviendront pas à avoir d'enfants et longtemps Fabiola s'interroge sur le sens de cette souffrance. Et elle finira par dire qu'elle a compris qu'à travers cette épreuve, elle avait pu avoir un cœur libre, plus libre, pour accueillir tous les enfants que le Seigneur lui donnerait, tous les enfants, vraiment sans exception. À partir de ce moment-là, le roi Baudouin et la reine Fabiola vont se mettre au service de tous, et au service des enfants les plus démunis. Ils ne le feront pas par devoir ni par obligation royale, mais ils le vivront vraiment au nom de l'Évangile. C'est d'ailleurs ce qu'explique le roi Baudouin. Vous savez qu'il existe des armes terrifiantes qui peuvent faire beaucoup de mal. Savez-vous que vous possédez aussi une arme encore bien plus puissante que la bombe atomique? Cette arme s'appelle l'amour. Le monde a besoin d'amour et de joie. Vous êtes capable de les donner. C'est vite dit, mais c'est très difficile. Il faut s'y exercer et recommencer tous les jours. En le faisant, vous verrez changer les choses autour de vous. Par exemple, en aidant vos parents, en leur exprimant votre tendresse, vous les rendrez plus heureux. Vous leur donnerez envie de faire de même entre eux et vis-à-vis d'autres personnes. Et ainsi, petit à petit, les relations entre les gens deviendront meilleures. Essayez, persévérez dans cet effort d'aimer avec les actes. Ne vous découragez jamais. Si vous le faites, je vous le répète, vous verrez changer jusqu'à la figure des gens autour de vous. Et tous les soirs, vous sentirez une très grande joie dans votre cœur. Devenez des bâtisseurs d'amour. Fabiola et Baudouin ont bien conscience que pour être ces bâtisseurs d'amour, ils ne peuvent le vivre d'eux-mêmes. Et tous les jours, ils se retrouvent dans la chapelle du Palais Royal pour prier, pour vivre ensemble l'Eucharistie. Le prêtre qui les accompagne témoigne qu'à la fin de chaque messe, ils se donnent la main et récitent ensemble la prière de saint François d'Assise. C'est cette prière que la reine Fabiola, au moment du décès du roi Baudouin, en 93, cette prière, elle ne manquera pas de la donner à tous les Belges, un peu comme un testament spirituel. La reine Fabiola prend tout le monde de court lors de ses funérailles, puisqu'elle arrive tout de blanc vêtue, pour manifester la force de son espérance en la résurrection. Lors de ses funérailles, le cardinal Danels prononce une homélie qui résume bien ce qu'a été le roi Baudouin. Et j'aimerais terminer par ces mots. Il y a des rois qui sont plus que des rois, des bergers de leur peuple. Ils ne font pas que régner, ils aiment jusqu'à donner leur propre vie. Tel fut le roi Baudouin, il aimait. Son intelligence politique plongeait ses racines profondes dans le cœur. Son savoir-faire lui venait de sa force d'aimer. Le secret de son règne, c'était son cœur. Pendant que le roi servait les hommes, il ne cessait de penser à Dieu. Dans chaque visage humain qui se présentait à lui, il discernait le visage du Christ. Nous avons perdu un roi. Dieu nous a donné à sa place un intercesseur et un protecteur. Voilà, un intercesseur et un protecteur. Voilà précisément, je crois, ce que peut représenter Baudouin et Fabiola pour nos communautés, pour nos familles, pour nos dirigeants, bien évidemment.
Et puis, je pense particulièrement pendant ce confinement à tous les couples qui ont dû reporter leur mariage. Portons-les dans notre prière et que cette contrariété réelle soit l'occasion pour eux de grandir toujours plus dans la foi et dans l'amour. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.